La fête était déjà bien lancée place de la Clôtre quand à 23h, les joueurs ont fini par arriver. Pour brandir les deux boucliers de champion. Car c'est historique, après l'équipe espoir championne de France la semaine dernière, l'équipe senior a remporté hier le titre de champion de France de National 2. La montée en National était déjà acquise et c'est à Vichy, cité thermale, que la belle saison du Cap s'est conclue en apothéose. 10 bus de supporters avaient fait le déplacement. Je me suis mangé un bon confit de canard et je me ressens chez moi, ma patrie. Ma patrie est aujourd'hui le Cup. On va vivre quelque chose d'extraordinaire. L'adversaire, c'est le CS Vienne, des bords du Rhône. L'équipe surprise de ces phases finales, ils n'étaient que cinquième de leur poule. Nos atouts, c'est que personne ne nous attend. Voilà, c'est ça. Et qu'on ne devrait même pas être là. Le match a plutôt bien commencé pour le Cup. L'équipe marque le premier essai et mène 13-6 à la mi-temps. Deux essais suivent en seconde mi-temps. On pourrait penser alors le match plié. Mais les Isérois accrocheurs vont réagir avec deux essais en 3 minutes et revenir à 5 points de Périgueux. On s'est fait peur. En face, c'est une grosse équipe, elle est vaillante. On a réussi quand même à s'accrocher. Cette équipe du Périgueux, elle est déroutante parce que personne ne s'est affolé. On s'est dit derrière les poteaux, bon les gars, on remet les choses dans l'ordre, on va chez eux, on remarque et ça va le faire. Périgueux, meilleure attaque et meilleure défense du championnat, a su réagir en marquant à son tour deux essais supplémentaires. Score final 39-20, les supporters exultent. Pour Mathieu Patché, depuis 14 ans au club, cette victoire a une saveur particulière. On a fait des phases finales au début de ma carrière en Fédéral 1, après on est redescendu Fédéral 3 et on a fait un gros parcours, champion de France Fédéral 3. On est remonté jusqu'à là et là, champion de France, c'est magique. Le Cap est ainsi le premier club à inscrire son nom dans le palmarès de la Nationale 2, division nouvellement créée. L'année prochaine, ce sera le début d'une nouvelle aventure en National. Et avant cela, la bande de copains va fêter ce titre durant toute la semaine.